café glacé. Heureusement, voilà qu'elle vit une belle reine vêtue d'or et d'azur. C'est la veuve du roi mort, la marâtre du prince charmant. Elle s'approche du prince et lui caresse ses cheveux. Prince, mon beau prince, console-toi. Je suis veuve maintenant. Marions-nous ? Non, jamais je ne vous épouserai. J'aime Cendrillon, elle sera ma femme. Aussitôt, sous l'effet de la rage, la reine se transforme en une hideuse sorcière. Il presse cet hymen qu'on prétend qu'il diffère et vous cherche brûlant d'amour et de colère. Prêt d'imposer silence à ce bruit imposteur, Achille en veut connaître et confondre l'auteur. Bannissez ces soupçons qui troublaient notre joie. Madame, c'est assez. Je consens que on le croit. Je reconnais l'erreur qui nous avait séduit et ressent votre joie autant que je le puis. Qu'est-ce que tu dis à ton cheval?